Et salut les gens, bienvenue sur frappe-jeu.fr ou sur mon blog tissant3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu Anno 1800, donc sur PC, un jeu qui m'a été offert par personne inconnue. Donc sur PC, c'est parti pour un tour, on va continuer la campagne. Les résidences n'ont pas besoin de se trouver à proximité des usines. La main d'œuvre est disponible partout où se trouvent vos usines sur l'île. Toin, 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 toin. Ça, c'était en France, je crois, hein. Ou peut-être pas. La montgolfière, tout ça. Ah, pour le titre? Ouais, mais je sais pas trouver les titres. Je suis nul pour les titres. Si vous trouvez des titres mieux que ça, allez-y. Il y a forcément trouvé, mais voilà. Frégate, il me fallait quoi pour les construire? Faut que je fasse de... Une chose est sûre, c'est faut que je fasse de la bière. Il faut que j'ai des artisans. Pour que j'ai des artisans, il faut que je puisse avoir de la bière, justement. Donc c'est parti pour la bière. Non, ça c'est pas chez moi. C'est là que j'ai du poivron, je crois. Voilà, donc c'est parti, on va commencer les constructions ici. Jusqu'au bout, nous irons. Mais ça peut pas toujours être au même niveau, ces trucs-là. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. T'as l'impression qu'on peut pas les placer comme on veut, ces machins-là. On n'a pas assez de monde. Tuck, comment ça, on n'a pas assez de monde? Lance d'invitation. Oh, c'est plat. Comment est-ce possible, Lu? Pourquoi tu m'as mis dans ce sens-là, toi? Oh, vas-y, je vais les poser comme ça, je veux les poser comme ça. Voilà. Ensuite, il nous faut un marché. Qu'on va poser comme ceci. Alors, là, ça me plaît bien. Avec ceci comme ça. Playmobil, en avant les histoires. Pourquoi sans Playmobil? Bah, je sais pas, c'est le premier truc qui m'est venu en tête. On met haut. Il y a des trucs, des fois, c'est pas inspirant. Tu sais pas quoi écrire. Et tu te dis, mais pourquoi écrire Anneau machin chose alors que les gens savent qu'on est sur Anneau? Ah non, je venais pas que pour ça, je venais aussi pour le... Je sais pas si j'ai pas fait une bêtise, là. J'ai envie de faire CTRL-Z. On est aux petits soins. Est-ce que ce sera suffisant? Ou pas?
C'est vrai. Mais c'est frustrant quand même de pas trouver un bon titre. Les bons consommateurs de rediff sur YouTube. Si elles arrivent un jour, camarade! Le pays les Schtroumpfs. Un noom. Salut Zelos, comment vas-tu? Comment allez-vous, ma foi? Mais plutôt bien. Et toi? Qu'est-ce que tu nous racontes de beau? Attendez, il manque de la. Il manque de la. De la route ici. Donc nous allons poser plus de routes, mais j'ai quasiment plus de quoi poser de maison. C'est pour ça que ça devient dangereux là. Toi, la pro du mois du bois, ici, on a quoi? De joli. Ok, ensuite. Partie sauvegardée. Mais j'espère que tu as bien dormi, que tu as fait de beaux rêves. Tu nous racontes? Dis-moi tout. Je veux tout savoir. Dans les moindres détails. Et là, ça fait. Bah, j'ai rêvé que je mangeais des frites. En mélangeant ça. À de la sauce à la bière. C'est pareil que les Belges sont bons aussi en bière. Et les Brévisa. Désolé, je coupe la caméra parce que je vais lécher d'une cuillère. Ce serait trop sensuel pour vous. Désolé. Je sais pas quoi, mais quand il arrive, c'est voilà. Les frites, c'est bon. Et je pense que je me serais acheté une friteuse, par exemple. Tu vois, je me ferai des frites régulièrement avant les lives. Je crois que ça met pas trop longtemps à se faire des frites. Même quand je suis en Belgique, je me suis pris une cuite. Ah bah bravo! Et après on va dire que c'est moi qui vous pervertis alors que hein, je m'en suis jamais pris moi les cuites, non mais oh. Commence à me demander si vous ne pourriez pas changer la donne. Ah, mais change tes vêtements, toi, là-haut. Je suis en train de creuser un puits dans ma pâte à tartiner. C'est grave, docteur. Le quoi qui viendra? La cuite? Donc. J'ai pris une cuite avec une bière. Moi oh non, j'ai pas envie de me prendre une cuite. Moi. Berk. Donc t'as pris une cuite avec une bière, c'est pas l'heure? Mais elle faisait quelle taille la bière? Ou alors, attends. Une bière cuite, ça existe ça? Elle était cuite avec ça? Ou c'est de la bière cuite? Ça existe la bière cuite? Genre tu fais chauffer de la bière? Ah. Je me doute bien, mais j'ai du mal à imaginer quelqu'un qui arrive au bar qui fait « Hé, garçon !» ou « Hé, fille !» Mais on peut pas dire « fille ».« Garçon, une bière chaude, s'il vous plaît !» J'ai du mal à imaginer ça, mais comme j'y connais rien, je me dis que c'est possible. Suis-je fou? Vous avez franchi une nouvelle étape. Village! Ouah! On fait des planches! Nous sommes sauvés! Bon, allez, une dernière grosse cuillère de miam. De la chaude. Je connais la chaux. Et que ça saute, mais... Moi j'y connais rien, j'aime pas les bières. Mais la bière ça se boit frais, non? Pas chaud. Ou alors vous allez m'apprendre quelque chose et la bière se consomme toujours chaude.
Une shot, s'il vous plaît, garçon. On n'avait pas beaucoup mangé non plus, et il faisait froid. C'est ton excuse. Oh. Mais non, mais on peut trouver une excuse, quelqu'un a mis quelque chose dans ton verre, ou je sais pas quoi. En même temps, je sais pas, moi qui suis pas un gros, hein, qui suis pas un buveur, j'ai jamais pris de cuite, et pourtant je sais que j'ai bu plusieurs verres d'affilée. Bon, on va dire que c'était du punch un peu chargé, mais c'est pareil, non? Que des bières. Ou alors vous allez me dire que les bières... du punch artisanal, hein, fait par les camarades. Attention, pas n'importe quel punch, donc... Attendez, c'est parce que ça va pas jusqu'au bout ici. Pourquoi là c'est tout crade ici? J'aime pas quand c'est tout crade là. Hop, on enlève ça. Voilà, quand on aura récupéré assez de bons, on ira voir ce qui se passe par là-bas. Ensuite. Il faudra faire des champs entiers de houblon. Ouais, bon, d'accord qu'elle se boit pas chaude. Live ASMR chez Iti. Mais... Faudrait que je prenne des extraits de live... De livre, pardon. De livre érotique. Ça pourrait être rigolo. Alors... Je perds des sous. On a moins 68, mais je suis pas d'accord. Où est-ce qu'ils chantent, mes braves gens heureux? Vous nous avez vraiment sortis d'un mauvais pas. Attendez, 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 l'école. L'école, j'ai assez pour la construire. Rapportez-moi du pognon. Ce n'est pas Bright Sands, mais c'est tout à fait convenable. Voilà. Il leur manque de la bière pour qu'ils soient parfaitement contents. Moins 285, moins 118. Mais attends, comment ça se fait, moins 118? J'ai aucun bâtiment populaire. Mais c'est une arnaque. Attends, il y a des trous. Voilà. Oh pardon, désolé Lins. Désolé, pardon. Mais c'est le chocolat, il était bon. Et j'avais pas vu que c'était juste au-dessus du micro, pardon. C'est ma faute. Désolé. Pardon. C'était pas prévu comme ça. Je pensais pas que vous entendiez tant. C'est-à-dire que c'est dans la rediffusion, tout ça. Pardon. Le Caraïbe. Alors, moins 442, mais je perds un toc de pognon. Pourquoi je perds un toc de pognon? Qu'est-ce qui se passe? Où ça? Comment? Mais oui, donc Ornicar. Donc là, attendez. Là, on a combien? Moins 102. C'est le reco du chocolat. Non, go clipper. Vous clippez pas ça, c'est pas bien. J'ai rien entendu. Tu me rassures, Spaller. Il va faire innocente, elle va envoyer un clip, tu vois. Du matériel nécessaire.
Si on fait comme ça. Non, ça marche pas très bien. Voilà, faut prendre peut-être plus sur le côté comme ça. On peut faire des trucs rigolos. Y a pas de mal à s'amuser. Me cacher derrière. Après une longue journée de travail, il faut voilà. Bien refaire les niveaux. Pardon. Je vais faire comme avec les burkas, mais ça marche pas. C'est alors que les yeux qui sortent. En même temps, je suis sourde. Mais zut! Moi, oui, je prépare. Non, c'est pas bien. Ne fais pas ça, après, j'aurai honte. Je vais me sentir mal à l'aise et je vais aller me cacher. C'est ça que tu veux? Hein? J'arrête pas de perdre du pognon. Non. Le chocolat, c'est la vie. Plus que la vie. Le chocolat, c'est l'amour. Avec un grand A. Et un grand M. Un grand O. Un grand U. Et un petit R. Oui ? Facile, il suffit que je passe sous le bureau pour me cacher. Là, vous ne voyez plus que ma chaise. Ah, on s'étire, on se fait du bien, et c'est bon. Même pas une journée, elle a pas tenu 24 heures, je crois. Bon, ensuite. Maintenant qu'on a fait ça. Qu'est-ce qui lui arrive, lui ? On est toujours à moins 440. Est-ce qu'il faudrait que je produise plus de choses ? Mais ça m'obligera à me lever, on verrait le plaid. Tu veux te glisser là-dedans? On sera trop serré, c'est pas l'heure. Déjà que moi ça me sert. Et du coup, on peut faire comme si j'étais la femme en rouge. Dans Matrix, non? Tu en remontes comme ça, là, le plaid. Voilà. Je manque un peu de boobs, désolé. Mais tu vois, il faudrait que je trouve un truc pour rembourrer un peu. Mais normalement, il faut un décolleté plus plongeant, donc il faudrait que j'ai tout. Les concurrents ont tu passé vois, un ça, accord là, commercial. Un peu plus par là. Et pardon. J'en ai jamais eu des mottes chez Spandon. Moins 520. Mais qu'est-ce que tu nous fais, Gérard? Au secours. Une shot, s'il vous plaît, garçon. Ah, c'est horrible, le petit son. Je me rends pas compte, c'est horrible. Hein, tu devrais avoir honte, Linz. Linz, tu devrais avoir honte. Me faire ça à moi. Comment as-tu pu? Moi qui te faisais confiance. C'est sourde, c'est pas l'heure, effectivement, je le confirme. Même moi, je l'entends et c'est dégueulasse.
vendent des trucs là. Ça, ça chute. Les briques aussi, ça chute. Et il me faudrait plus de briques, camarade. Les vêtements aussi, ça commence à chuter. Conclusion, il nous faut de nouveaux vêtements. Moins 40. Oh là là. Oh là là, on est foutu là. Tellement de pognon. J'ai pas mis le slur. Mais non, ah, changeons de sujet. Playmobil, en avant les histoires. Cacou d'Arcor, comment vas-tu? Devant la porcherie, les pauvres. C'est pas grave. Ouais, c'est vrai que les porcheries, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable, hein, quand même. On va pas se mentir. En termes de fumier ou autre, niveau odeur, c'est pas la joie. Cela reflète très bien l'époque. On vous surnomme Excellence, entre autres surnoms flatteurs. Donc, Rouge, d'après les experts financiers, les huissiers ne seraient pas tardés à frapper à la porte. Si rien n'est fait très rapidement, c'est la banqueroute assurée. Pardon. On reparle de saucisse? Ah oui. Qu'il perd du pognon. Mais ils peuvent vivre à côté d'une porcherie, c'est pas grave. Nous, on vivait pas loin d'une porcherie à la maison. Essaye de vendre. Oui. Alliance des nations civilisées, une solide alliance entre deux filières, nations a été conclue. À coup sûr, ce nouveau partenariat sera de toute première importance à court et même très long terme pour les deux parties. Un accord final a été discuté, adopté, signé, contre-signé par les délégations d'un temps record. Une colonisée par un concurrent. Aux dernières nouvelles, l'un de nos concurrents est colonisé une île dans la région. Difficile à dire si les retombées seront positives pour nous, mais au moins nos habitants pourront dans la mesure du défi d'avenir qui représente les ressources. J'arrive pas à le faire. Je crois que j'en bois quand même trop d'or dans le nez. Pardon. Parce que j'ai toujours peur que ça saigne après. Quand je fais ça. C'est bon? Non, c'est bon. On va essayer de vendre. Non, j'ai pas envie. Tu vois, petit à petit, ça se réduit. Donc, il suffit juste que je m'y mette, que je construis des trucs de folie, que je colonise et... Et je serai extraordinaire, n'est-ce pas? Non? Pas comme ça qu'il faut dire? Si, j'en suis sûr. Là, punaise. Ouah, ouah, ouah. Mais j'ai plus rien. J'ai plus rien. Au secours. Comment je fais pour les vendre? Flotte au départ. On va les emmener là. Comment ça, moins 14? Mais je suis pas d'accord. Moins 14 de quoi? Pourquoi il y a des ling ling ling? Ah, ça brûle là-bas? Ouais, ça brûle ici. Ah, oh, ça brûle, zut, c'est pour ça qu'on a moins 14. Tu es toujours extraordinaire, tu dis, comment ça? Je sais pas comment je dois le prendre. C'est gentil. Non, Archibald n'est plus là. Qu'est-ce qui t'arrive, Papario? Qu'est-ce qui se passe? Oui, plein, dans le sens plainte. Oui, c'est prêt. Quelle agréable surprise. Oui, donnez-moi du pognon, s'il vous plaît. Oui.
Sir Archibald Blake, comment puis-je vous servir? Elle est petite, mais elle cogne. Ne me dites pas que j'ai encore un... Elle a... Et c'est la défaite du joueur français. Non, j'ai récupéré un petit peu de pognon, j'en perds toujours. Mais je pense que si je fais bien mon travail, il est possible que nous récupérions des choses intéressantes. Alors, attendez, là ça descendait encore, là ça descend toujours. Si ça descend encore, c'est que c'est pas bon. Ah, je pourrais pas aller au bout. Comment je peux faire mon affaire là? Mais il faut aller se coucher. C'est important aussi de dormir. Dis le mec qui a pas dormi depuis un petit moment non plus. Alors qu'en fait si j'ai dormi. 30-30. Comme ça et ça comme ça et que là dedans je faisais ça accompagné de deux ça voilà et que là je rajoutais le trois gens ici comme ceci qui ensuite faisait ceci et que là après ça, ah oh, mais il a qu'à tourner ce champ. Tu le vois plus. Hop, il est plus là. Regarde, il n'existe plus. Alors eux, ils sont trop loin. C'est pour ça ils sont pas heureux. Putain, même les poissons commencent à pas en avoir assez. Ah, mais c'est bien possible, en effet. Aïe. Aïe, 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 aïe. C'est pas joli, joli, la façon dont ça se passe, hein. De faire tellement de bêtises. On va attendre un petit peu que ça passe ici.
Je perds toujours autant de pognon. Au pire, ça m'empêche de faire des bateaux. On verra après, on va déjà faire ça. Moins 630. Oh, c'est cool. Bon, je revendrai les bateaux après. Là, on en est où? Ils sont pas contents, les gens. Qu'est-ce qu'il leur faut? Pas déjà la vie assez dure. Ils ont pas d'alcool et pas de vêtements pour travailler. Oh là là, que c'est triste. Parti, sauvegardé. On va faire des champs de patates terribles. On va voir. N'importe quoi, au secours. C'est bon. Moins 45. Attendez, je vais arriver petit à petit, c'est bon. On aura tout ce que vous demandez, vous inquiétez pas. On n'est pas si nul comme dirigeant. Attendez, attendez, on n'est pas si loin. On a besoin de plus de bras. Mais on arrive. Viens là, toi, je t'ai mal placé, viens. Voilà. Pardon, excuse-moi. Non, mais je voulais pas te déplacer. Je fais rien que des bêtises, là. Vous l'avez vu, déjà. C'est pas grave, on va faire avec. L'évasion fiscale. 819 en moins, quoi. C'est par minute, c'est ça? On va essayer de revendre des bateaux. On a moins 50 de gens qui travaillent, quoi. Ça, c'est mérité. Chaque chose en son temps. On va essayer de se rattraper petit à petit. Parce qu'on est quand même pas mauvais à la base. Je suis sûr qu'on pourra trouver des solutions. Le Steam qui me dit, hey mec, tu sais quoi, il y a Doom qui est disponible là maintenant tout de suite, va l'acheter tout de suite sur Steam. C'est en gros ce que Steam vient de me dire. N'écoutez pas Steam, mes frères. Il y a un gisement de fer, j'aurais jamais dû le placer par là. Le bâtiment. Ils vont être en plein dans la pollution. C'est aligné, j'en reviens pas. Comment que c'est possible ça que ce soit aligné?
Tu as réussi à faire des poivrons du coup? Même poivron, faut que je les mette là-haut. Moins 787. Bonjour, ça va? Comment ça, là, toujours pas assez de gens? Mais allez me construire des gens. Partie sauvegardée. Moins 525 sur cette île. C'est chaud quand même. Ça c'est bon, c'est stabilisé. Vêtements de travail, c'est pas joli, mais pourtant ça devrait réaugmenter. Pourtant c'est en baisse. Moi. Quand ça sent pas bon tout ça. Hein. Non, j'ai pas assez. J'ai plus assez de bois. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Ah oui, du bois. T'inquiète pas, ça va arriver le bois. Patiente. J'attends qu'il termine les bateaux, mais pourquoi il me dit que là il y a plus assez de gens qui travaillent? Main d'œuvre insuffisante. Ils en ont fait un, c'est vrai? Vas-y, viens là, toi. Faut que je te vende. Telle est notre destinée. Quand je pense qu'il leur manque que la... Ah, mais je peux quand même augmenter. Ils sont tout contents ici. Comment ça, saucisse? Non mais c'est bon, les saucisses elles vont arriver, t'inquiète pas. Reste calme, Gérard. Ça va le faire, tout ira bien. Enfin, peut-être un jour que tout ira bien, mais... un jour. Ça y est, là, les gens sont contents. Ils sont très contents. On est plutôt dans le positif. C'est plutôt cool. Ici. Les gens sont forcément pas contents, ils ont à peine de poisson. Donc si on peut, on va refaire du poisson. Ah oui. Poisson. J'ai pas assez de planches. Nous avons au moins réussi à réduire un petit peu le massacre. Là, là. Ton rapport. Je vous présente mes... Comment ça, les conditions de quête ne sont plus remplies? Eh oh! Les quêtes, c'est moi qui décide! Il faut juste que je fasse une frégate. Pour faire une frégate, il me faut un artisan. Je vais quand même y arriver. Vous avez franchi une nouvelle étape. Je tente quand même ma chance. Un endroit où vivre et travailler en paix est mon seul désir. Ça va le faire. Ça va le faire, j'y crois. Je souhaite à mon peuple de s'épanouir comme votre jardin d'été.
Tu as Poucla... Ah non, non, j'ai pas... J'avais le fait un trait, puis après j'ai fait un espace comme ça, ville. Tous les deux. On et là, j'ai fait deux espaces. Un maître à l'eau, un tout premier navire, on attend pour commencer un tout premier navire. Construit. Tiens, faut que je te vende, je suis désolé chérie, mais c'est nécessaire. Une nouvelle étape. Village. Ils sont où là? Ils sont contents? Les gens rient, ils sont heureux. Partie sauvegardée. Faisons d'abord les choses correctement. Embêtant toi. Mène-moi jusqu'ici. Ensuite, on va par là-bas. Et là, je peux traverser, c'est bon? Alors, je vais par là. Est-ce que je peux traverser ici? Oui. Mais même là, en fait, à part... On pourra s'embêter alors que là, on peut traverser. Voilà, ça me va ça. Voilà, il me faut une briqueterie s'il vous plaît, ouvrier. Brique. Petite briqueterie, ça va aller. De quoi il est cool Tupac? De qui? Pourquoi? Dans où? Ah, je viens de comprendre. Oui, je l'ai mis, il est là-haut. Il est là. Dans la corporation qui est ici. De matière première. Qui est ici. Ouais, il était là. Alors attendez. Il nous faut... Navire construit. Comment ça, j'ai pas un bateau qui peut tant pis. On va leur faire ce dont ils ont besoin. Un truc comme ça, bien sûr. C'est un espace qui est dégueulasse, mais tant pis, c'est pas grave. J'assume cette horreur. Ensuite, je me sens tellement réveillé, ça se voit, hein. Je suis sûr que ça se sent, vous êtes là, vous le savez. Paf! Ah, il n'y a pas assez de gens, pardon. Qu'est-ce que je fais? Je fais mais n'importe quoi, hein. Comme dirait ma mère, pourvu que ça mousse. Ne vous inquiétez pas, je fournirai bientôt de l'alcool pour tout le monde. Mais d'abord... Attends, mais non! Mais non, je peux pas ici! Les pommes de terre ne poussent pas!
Salut Nia, comment vas-tu? Et si les pommes de terre ne poussent pas, bah je peux pas faire ça. Tiens, vais la canonnière, faut que je te vende. On sera sur place, on n'a rien de temps. Mais c'est les sacrés gros bateaux. Vous prenez l'initiative. Mais j'avais pas un gros bateau quelque part? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Chers camarades, j'aurais besoin de créer un truc là. Alors, nous allons créer une route commerciale. Toc, toc, toc. À Kishland, tu chargeras de la pomme de terre. 50 pommes de terre, nous essaierons d'en faire plus, que tu livreras dans l'ancien monde. Dans l'ancien monde, tu chargeras... C'est quoi qu'il y a sur cette île ? Ben, des fourrures. On n'a pas encore, de toute façon. Ok. Donc. Là non plus, t'as pas le reste. Donc vas-y, accepte. Il nous faut les champs de patates supplémentaires. Telle est notre destinée. Oh, vas-y, j'ai la flemme. Frustrant quand c'est comme ça. Attends, oh, on avait pas cassé ça, dis donc. Il reste plein de trucs dans tous les coins ici. Oh. Donc, faudrait pas que je vende des bateaux là. Toi là. Ah, je n'attendais plus. La frégate est en train de se faire. Oui, c'est la seule qui reste. Ok. Ici. Travail sur le bonheur. Oh, qu'est-ce qu'ils ont eux? On est comblé, mais voilà. C'est humain d'en vouloir toujours plus, non? Un petit coup de main, chef. Qu'est-ce qu'il veut? Tenez vos promesses. On stocke dans la capitainerie. Auto-réparation plus 75%. Votre compagnie est réjouissante. Vous n'avez peut-être rien à envier à votre père, Dieu et son âme. Mais change de vêtements, toi, tu me stresses à être habillé comme ça tout le temps. Construit. Oh, oh la frégate, c'est bon, je l'ai réussi. Vas-y, on va la livrer là-bas. Ça, alors. En gros, cela. Je sais, mais nous sommes des professionnels. Tu sais, tu me rends un peu d'espoir en l'humanité. Surprise. Voilà. On va faire comme ça ils auront quand même de l'alcool. Rien. Ensuite, simple, il leur faut des vêtements.
Ils ont pas de pub. Faisons un pub. Parce qu'ils font vraiment la gueule, là. Ensuite, il leur faut des vêtements. Le cessez-le-feu a expiré. Partie sauvegardée. Je suis à moins 65. Tout va bien se passer, si tu vas gérer la partie comme jamais. J'essaie de me convaincre moi-même. Attention, ton bateau a voyagé sur le port pour rien, pourquoi? Une frégate de première classe. Une partie de croquet? Ces renforts feront le bonheur de Sa Majesté. Malgré tout, je garde l'espoir que la guerre ne sera pas nécessaire. Il n'y aura pas de guerre. Voilà, j'ai accompli ta mission. Je pensais qu'il n'y aurait rien à gagner, à vous l'avouer. Mais j'ai des raisons de croire que votre père a été assassiné. Et son meurtrier, son vu que je perds, est en liberté. D'après la rumeur, il se terre quelque part, en attendant de fuir pour le Nouveau Monde. Voilà. De quoi ma route commerciale? Qu'est-ce qu'elle a ma route commerciale? Tout est prêt! Bah c'est bon! Bah oui, je sais qu'il prend rien au port du bain, mais y a rien encore en bas. Oh! Quelqu'un ravitaille le meurtrier depuis le port de Madame Kaina. On aurait tout intérêt à suivre cette piste. D'accord. Les chroniques d'Anneau, la terre promise, les colons affluent à Marquisland, derrière ces portes majestueuses, c'est une glorieuse utopie qui leur tend les bras. Bien sûr, ceux qui vivent déjà leur diront que le portrait est un peu trop flatteur, mais la croissance est à ce prix. La terre promise donc parmi nous. Alors, ces premiers artisans, à l'arrivée des nouveaux artisans, cortège hétéroclite. Faut que de parler comme ça, ça sert à rien. Bah si, parce qu'il dépose des patates, Linz, dans le port du bas. Ou alors j'ai fait des bêtises et je dépose des patates à des endroits où j'en ai pas besoin. L'arrivée des nouveaux artisans port cortège hétéroclite des individualistes, aux vêtements légers, aux parfums capiteux. Prête à Ithil, à tout le raffinement qui lui faisait si cruellement défaut. Quoi, comment ça? Moi, défaut? Découvrez dans ces pages notre dossier spécial, rien n'est tout est possible et impossible. Le navire Aquila a été vendu à Sir Archibald Blake. Navire vendu, on publie. C'est essentiel. Comme à la belle époque. Il n'y a plus de patates. Il faut plus de patates. Là-haut, il faut des patates. Là, au pire, je vais en mettre. Qu'est-ce que je fais? Et tiens, on travaille. Voilà, comme ça. Voilà, je veux une pataterie comme ça. Oui, je sais. Je veux dire que pour l'instant ça servira à rien de mettre le troisième truc, c'est ça? C'est ça que t'es en train de me dire.
terre ne peut être exploitée que si nous avons assez de champs. Nous devons les aménager. Chut. Tout se passera bien, madame. Partie sauvegardée. Coucou, Chirine. Ah, salut, Gizmo. Non, toujours pas, non. Fais des bêtises. Pénurie de main-d'œuvre. Qu'on se le dise, c'est une perte de temps, c'est ça? Hop là, donc il nous faut... On a une pénurie de main-d'œuvre, donc il nous faut des main-d'œuvre. Main-d'œuvre, s'il vous plaît, main-d'œuvre, nous en avons besoin. On va regarder où est-ce qu'on en est à ce niveau-là. Donc la patate, on devrait en avoir plus prochainement. Quand on travaille dur, ça paye. Ça pourrait être pire. On est encore à moins 329. Ici, on en était où? Pourquoi ça clignote, là? Ça déborde de partout. Mais faites-moi grimper ce truc. Ah, je peux pas encore. Ah, j'ai pas la briqueterie, c'est vrai. Et la production? On est censé la stocker où? Alors écoute, pour l'instant tu ne stockes rien, tu m'attends, d'accord? Ce que je te propose moi là tout de suite, c'est plutôt de construire ceci. Il faut quelques gens supplémentaires. Un, deux, trois, on est bon. Gizmo. C'est la musique du jeu, laquelle musique? Y a pas de musique du jeu. Donc là, il y a des patates qui se font toutes seules. On a quand même pas mal d'alcool, les patates on en a pas plus. On va attendre, on a pas mal de vêtements qui sont faits, c'est ok. Mais je pourrais... Si je fais comme ça... Faire plus de gens. Les gens de la nuit. Au plus noir la nuit, au cœur de l'eau. Comment vas-tu, Kinder Maxilol? Je donne fin avec ton pseudo. Encore et toujours. Que diriez-vous d'un contrat avec l'Emporium Exotique? Une quête d'escorte? Non. Vous n'avez pas le cran d'aller au bout. Surtout que j'ai pas le sou pour faire beaucoup de choses. Là. C'est, ils ont tout. C'est bon. C'est bon, eux ils ont ce qu'il leur faut. Là, on a moins 18 fermiers encore. Pourquoi tant de haine? Pourquoi c'est pas complet là? Tout ce qu'il leur faut sous la main.
contre, la caserne de pompiers n'est pas à côté. Je fais n'importe quoi. Alors attendez. Partie sauvegardée. Comme important. On ne sait jamais. On voit qu'il y a moins de monde quand même ici. C'est pas joli, joli. Un mal de crâne, je crois que j'ai trop joué au JV hier. Ah, et t'as joué à quoi? Merci beaucoup, Enig, encore une fois. Toujours pas le bon personnage. Hein. J'ai combien de patates là? J'en ai 9 seulement. C'est logique que ce soit constamment en baisse parce qu'on en récupère. Je vais refaire une frégate. On est toujours à moins 372 quand même. Hein. Bon, moi, ça fait plaisir. Le jeu, ah non, il est très cool, ouais, j'aime bien. Là, je fais n'importe quoi parce que je suis très mauvais, mais le jeu est très cool. Mais c'est bon pour la main-d'œuvre là, tout va bien. Là, il leur manque quoi, eux? C'est bon, ils ont tout. Si je te disais tout ce qu'on raconte sur toi, tu serais étonné. C'est pas grave. Continue à raconter. Fais-moi rêver. Jusqu'au bout de la nuit. On est encore OK, là? Ouais. Je commence à avoir des briqueteries. C'est notre droit fondamental. L'île me paraît tout petit. Teux. Ça me paraît horrible. Tu as raison, il est très mauvais. Oh, j'ai même pas de gâteau pour me consoler. Le syndicalisme nouveau est arrivé. J'allais le dire. La voix des ouvriers sera plus forte. Que le bruit... Ah oui, la voix des ouvriers sera plus forte, camarade. Et si là, je posais un deuxième machin qui fait du bois? Et que là, je traçais un trait. Que là je faisais ça et que là je faisais ça, voilà, ça fait un peu loin donc c'est pas grave, mais quand même il faut quoi pour construire ça? Il faut des briques. Voilà, là c'est quoi, mini gisement de cuivre, on s'en fout pour l'instant, mais du coup ce qu'on peut commencer à construire c'est des machins à saucisses, comme ça les gens seront plus heureux. E-R-E, tu m'entends? La question ici, les saucisses, on les fait comment les saucisses? Peut-être que les saucisses je peux les mettre par ici, pourquoi là c'est tout carré ici, mais c'est quoi ça, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Oh, bâton, non mais oh. T'as vraiment vu pire sur Twitch, c'est donc possible? Oh merci Spala, heureusement que t'es là.
Psychologie inversée. Chez moi, il n'y a aucune psychologie qui fonctionne de manière logique. Donc, n'essayez pas. C'est dangereux pour la santé. Ah non, mais je fais des bêtises, en fait. Oh, les pauvres, ils sont en guerre. Que c'est triste. Oh, oh, oh. Pénurie de main d'œuvre. Ah non. Je suis pas d'accord avec les pénuries de main d'œuvre. Nous avons besoin de plus de gens. Vous avez franchi une nouvelle étape. Je ne sais pas. Ça remonte un petit peu de ce côté-là. Je fais rien que des bêtises. Le sac Roger Rabbit, ça fonctionne. Why don't you do right? Like some other men do. Get out of here. No, 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 no. Pa-da-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Get out of here. Ils ont largement de quoi consommer, là. Pourquoi ça monte pas? Oh, quand même. Montez petit à petit, s'il vous plaît. Get out of here. C'est vrai qu'il n'y a pas de truc de... Voilà, j'ai une frégate. De nouveaux ordres, amiral. Qu'on va appeler Pourquoi Hermignon? On n'a pas d'Hermignon là. Attendez. On va l'appeler... bah, tu seras Kinder, tiens. Kinder Maxilol. Comme ça, si tu coules, ce sera ta faute. Hermignon pour le nom de frégate. Oh, bon, d'accord. T'as été la première à proposer. Hermignon. Comme ça, si jamais elle coule, ce sera de sa faute. Get out of here. Pour l'instant, j'ai à peu près assez de tout, en fait. Est-ce que vous pourriez être très heureux, s'il vous plaît? Mes ambitions n'existent que dans mes rêves. Dans tes rêves les plus fous. Oh, jeune homme. Quelque chose. Des patates, on s'en doute. J'ai combien en temps d'accord? Je suis à 37, donc ça va, je suis encore large. Ici, c'était pour faire des fourrures, je crois. Et là, c'est pour faire du houblon et du poivron. Gisement de calcaire, gisement de charbon, gisement de cuivre.
partie sauvegardée. C'est en vodka. Je peux faire de vodka. Peut-être ça descend quand même. Ouais, il me reste 4000 cas et quelques. C'est tout. Toi, je pourrais aller te vendre au pire. Tiens, vas-y, on va faire ça. Mais non, on peut pas vendre Hermignon. Pas possible de vendre Hermignon. Faut pas. Ne faisons pas ça, ne vendons pas Hermignon. Pas tout de suite. On y met tout notre amour. Comment ça, stockage sorti saturé? On a à fond, Farine. Métal, on a 250. Hum... 163 de savon, on produit plus de savon qu'on en a besoin. Je sais que les industries se font à savoir. À peine arrivé, déjà il raise. Pourquoi il va pas? Pourquoi il va encore là-bas? Mais Gérard, je t'avais supprimé toi d'ici? J'ai pas accepté? Voilà, ça va aller mieux là. Non? Bah tout va bien ici, pourquoi tu m'embêtes? Ça va, c'est eux qui doivent jouer avec les pirates, donc pour l'instant ça me va bien. Ça m'a l'air correct. Ensuite. De quoi aurions-nous bien besoin? Et si je commençais à essayer de se rendre ces gens-là heureux? E-R-E. Donc là, si on a commencé, il nous faut du bread. Et du savon. Ah mais ça ferait perdre de l'argent aussi alors que j'en produis plein. Je peux en produire plein de moi. Ah oh, si j'ai besoin d'une église pour vous faire plaisir, chers amis. Par contre il me faudrait peut-être un... Laisse de l'espace vide, c'est embêtant. Et il voulait une église. Pas une école, une église. Voilà. Ah, j'ai pas assez. Il manque 25 de bois, il manque pas grand chose, on leur fera une église après. Ah, ça fait du bien de s'étirer. Presque mangé la boîte entière depuis hier ou depuis tout à l'heure, je sais plus. Allez, il reste rien. Bon, je crois que c'était depuis hier. C'était depuis hier. C'en est où la construction? Je vous présente mes humbles hommages. Non, merci. Il n'est de vent favorable qu'à celui qui sait où il va.
que le vent vous porte. On va aller voir un mignon. Je sens que je vais finir au bête si je continue comme ça. Normalement j'ai encore un peu de place, hein, mais... L'avantage c'est quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc on peut plus en faire après. Enfin, je regarde comment ça se fait les bretzels, ça doit pas être si difficile à faire, en fait. Attends, faut que je lui livre. Tu veux dire que j'ai accepté une quête sans savoir ce que je devais livrer? Ou alors elle me disait ce qu'il fallait que je livre. Je croyais qu'il fallait récupérer. Certes, les gens heureux n'ont pas besoin de se presser, mais... Navire construit. Je crois qu'il manque un morceau, là. Ah! Ok. Ok. C'est pas bon signe, ça. Du tout. La fierté conduit à l'échec, la modestie à la... Ouais, désolé. Régate sur cap d'escorte. On va laisser ça comme ça. Je crois que je suis un peu accroupi. Ah mais c'est bon. Tendez les cordages. Ne me dites pas que j'ai encore raté un rendez-vous. Restez sur le cap. Plus de pognon là. On n'avons plus de pognon, Gérard. On peut plus rien stocker. À tous les coups, je vais être embêté ici. Attendez. Il est temps de mieux gérer cette situation-là, mesdames et messieurs. Donc... Bah... Pourquoi t'acceptes pas? Ça passe pas ici. Mais t'es en béton, toi. Non, j'ai plus de bretzel. C'est l'argent qui me manque. De nouveaux ordres, amiral. Quel agréable. Parti sauvegardé.
cas, j'économiserai de l'argent si je m'occupais de ça. Donc ça, c'est juste un problème de pognon. Ah bah oui. Je suis pas dans la Wiz. Bonjour. Tout ceci risque de très très mal se terminer. Mais tu as arrêté, toi? Je peux faire annuler. Annule tout, Gérard. Je fais que des bêtises. On va faire l'inverse. L'inverse, j'ai dit, voilà. Comme ceci, ici. Brique et brique. L'île d'un de vos concurrents est assiégée. Oh zut, mais c'est un concurrent. Ce serait dommage qu'on aille s'en occuper. Donc ça c'est bon, si on met ça en face. Très bien l'époque. Au bureau, on vous surnomme Excellence, entre autres surnoms flatteurs. Je crois que je grignote parce que je suis mauvais. Vous pensez que c'est vrai, que c'est le cas? Les chroniques d'Anno, banqueroute, Iti dans le rouge. D'après les experts financiers, ces huissiers ne devraient pas tarder à frapper à la porte. Si rien n'est fait très rapidement, c'est le banqueroute assuré. Bière qui roule, la bière se fait rare à Kishland. La faute à une gestion déplorable et c'est toute la cité qui menace de se déliter. Qu'il faisait bon auprès de la blonde. Non, mais autant le finir, il reste rien dans la boîte. Un autre joueur a été dépouillé de son île. Ah bon? Un autre joueur a été dépouillé de son île. Ouais, je sais. Mais j'ai pas vu que le plaid montait encore si haut. Voilà. Pas de correction. Je serai sincère jusqu'au bout. C'est pas une bonne chose, mais je le serai. Moins 5 de bonheur, ça le fait pas, ça. Un beat pour les gouverner tous et dans les streams les lier. Merci, Nig. Encore une fois. Merci beaucoup pour le cadeau. Mais du coup. D'après les gens du coin, ce navire marchand est celui d'un étranger. Peut-être qu'il s'agit du fournisseur. Le cap est tracé. Gardez le cap. Mais où va-t-il là? J'ai presque envie de vendre un magnon parce qu'il me rapporte peu de fric. Restez sur le cap. Larguez les rabans de ferlage. J'aurais peut-être pas dû faire ça. C'est où le bateau? Il est où? Le cap est tracé. Vite, Gérard! Restez sur le cap. C'est bon, tout va bien. Tout va bien. Vous voulez pas, bah, partagez. Manguri, c'est où? Bah, tiens, dis-le. Si vous distribuez vos îles, m'en pas de me servir. J'ai un Manguri, c'est pas à moi, ça. Un concurrent s'est établi sur une île. Reste sur le cap.
partie sauvegardée. Il va aller jusqu'où, lui, comme l'île ça? L'île d'un de vos concurrents est assiégée. Oh, zut! Je me sens pas du tout concerné. Restez sur le cap. Allez, viens jouer avec moi. Ne joue plus au Jailas de Chalas, oui. Je vais réussir à parler. Peut-être qu'il va être censé de cric là. Comme ça, je revends les bateaux et je survis. Non? Gardez le cap. D'accord, bah c'est pas mon problème. Mignon. Qu'on l'arrête. Vous arrivez trop tard. Trop tard. Je n'étais que l'étincelle. La mèche est déjà allumée. Ah. Oh non. Il est mort. Ça ne peut pas finir ainsi. Sans aucune réponse. Non, c'est plein de verre. Alors, prison de Wormsway, une effroyable première. Il n'y a rien. Chut, tais-toi. Mon île Prosperity a été vendue, quant à moi. Des capes et des masques à n'en plus finir. Mais c'est bon, tais-toi. Oh. Oh, un journal. Ouais. Bien sûr. L'île qui lui a valu d'être accusée de trahison. C'est leur objectif. Donc, lisons enfin, mon île Prosperity a été vendue. Quant à moi. L'un de vos concurrents est assiégé. Quant à moi, j'ai été arrêté et expédié au fin fond d'une cellule sordide. Demain, je compte bien plaider à nouveau ma cause à Monsieur Blickworth, qui aujourd'hui m'a si cruellement refusé la moindre explication. Je dois tâcher de dormir, mais je ne pense à rien d'autre qu'à ma pauvre Anna et à cet enfant qui a choisi de partir au loin. Prison de Wormsway, la lumière à travers les barreaux. L'homme m'a rendu ma lucidité. Prospérité a été vendue à la rebelle Sarmento, la tristement célèbre, et j'en suis le premier surpris. La reine enrage d'avoir perdu le joyau du Nouveau Monde. Les gardes de qui je tiens l'information m'accusent de quelques traîtrises. Pourtant, c'est moi qu'on a dupé. C'est moi que les inconnus ont lésé sur toute une île. Peut-être sont-ils ceux-là même qui sont venus à moi en ce jour fatidique, masqués et revêtus d'habits brodés de mystérieux symboles. Ils ont voulu me convaincre de vendre, mais je leur ai claqué la porte au nez, croyez-moi. Wormsway, une troisième nuit, et pas la dernière, hélas. J'ai commencé à réunir les preuves pour ma défense. Anna est venue aujourd'hui. Bien qu'on ne l'ait pas autorisée à rester longtemps, elle m'a redonné l'espoir. L'espoir d'être un jour pleinement réhabilité. Mes années de loyauté jouent en ma faveur, mais l'idée d'avoir peut-être trahi ma reine me pèse lourdement. Même si les nuages viennent à se dissiper, ils ont peut-être sonné le glas de notre famille. Pas de doute, notre père devait penser que ce symbole avait son importance. Si quelqu'un peut l'interpréter, c'est bien calme. Restez sur le cap. Voilà, on va faire comme ça. On est à court de matières premières. Oui, je sais, il n'y a pas de houblon. Voilà. Il va falloir du houblon juste ici. Donc on va faire des fermes de houblon. Il est où le houblon ? Hé, houblon ! Partie sauvegardée.
Navire construit. Mince. Et de 1. Toujours. S'il arrive. Ah mais c'est pour me dire que je peux. Je devine que vous cherchez quelque chose. La marque des pyrophoriens. Ce symbole de feu est réservé à ceux dont ils souhaitent la mort. Ouais, c'est bien, et... Je ne savais pas que votre père avait eu maille à partir avec les pyrophoriens. Ah, j'ai plus de... Ils sont le mal incarné. J'ai plus de pognon. Vous avez le tempérament troubleux, mais ne vous aventurez pas dans le nouveau monde. Ne jouez pas c'est vrai avec le feu. Ah, je savais pas, mais c'est trop cool du coup la pipette. Le journal de notre père ne suffira peut-être pas à convaincre Sir Archibald, mais au moins lui donnera matière à réflexion. Tendez les cordages. Quelle sensation! Waouh! Édition spéciale, les chroniques d'Anneau, l'assassin de Samuel Good démasqué! Les Good sont aux trousses de meurtriers de leur père, un homme qui n'a sûrement pas agi seul. En effet, la rumeur court qu'il serait lié à une secte mystérieuse, mais qui sont ces autres personnes avec des points d'interrogation? Vous le saurez. Ah bah, tout de suite. Presque tout de suite. Voilà, est-ce que tu peux aller te vendre? J'ai plus de sous. Moins 502. Oh, ça pique tellement. C'est ce qui s'appelle mal gérer son économie. Nous sommes foutus, camarades. Bonjour, Zenibay. Zenikei. Zenikei, j'ai failli prononcer ça correctement. Et finalement, c'est parti en revanche, je trouve. Coucou, Pépite Camille, comment vas-tu? Pépite Camille, je parle de toi là. Parce qu'avec... Ce symbole est une menace de mort, mais Sa Majesté a reçu le même dans une simple enveloppe frappée d'un timbre des colonies. Nous ignorons encore comment votre père s'est retrouvé mêlé à cette affaire, mais je crains que la réponse ne se trouve à l'ouest. Oui, à l'ouest. Votre père a vendu Prosperity au chef des rebelles, Isabelle Sarmento. Faut mener l'explorateur, nouveau monde. Tout ce qu'on a, c'est la dernière position connue de Sarmento. Nous devons planifier notre expédition avec le plus grand soin. J'ai des cartes prometteuses sur mon bureau. Quelle agréable surprise! J'ai besoin de sous, s'il vous plaît. Vous faites la fierté de vos ancêtres. Ah bon? Je suis tellement dépensé que je ne peux rien faire. C'est ça, faire la fierté de ses ancêtres? Je veux bien, moi, mais... Je vous tire mon chapeau. Allez hop. Faut que je construise d'autres gens. L'interface est vraiment bien faite, mon pêche. Hein. Un conseil, oui, tu peux. Bon, ça devrait remonter petit à petit. Ça, c'est va recommencer à travailler. Moins 409. Bretzel et le chocolat. Non, le chocolat, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Bretzel, il n'y en a plus. J'aurais bouffé deux boîtes en moins d'une semaine. Bravo, Eti. Deux boîtes de combien? Elles font combien, ces boîtes? 300 grammes. J'ai bouffé 600 grammes de bretzel, quoi. En 3-4 jours. À la base, si je prends deux boîtes, c'est pour pouvoir tenir deux mois. Et elles sont parties en 3-4 jours. Conclusion, il va falloir que je trouve une solution. Partie sauvegardée.
Parce que là, c'est pas joyeux. Construit. Ça, c'est bon, on a tout ce qu'il nous faut. En termes de patates, on en est où? On a 15 patates. Je pourrais peut-être faire des patates en plus. Du poisson, on a trop. On est encore bon là-dessus. Dans la route commerciale. Je veux que tu ajoutes celle-ci. Que dans celle-ci, tu charges du houblon, le max, et que tu déposes le houblon ici. Toi, elle est là. Et on me l'avait donné cette astuce. Parce que j'essaie de faire petit à petit en fait. J'essaie de faire de la bière. Le problème c'est que j'avais pas d'éléments sur mon île pour faire de la bière. Donc là j'ai galéré déjà à trouver une île qui permettait de faire du poivron, du houblon, etc. Enfin j'ai galéré, non, j'ai été nul, c'est pas que je galère. Et maintenant, je cherche. Le cap est tracé. On y va. Je peux vendre. S'il vous plaît. Je vous présente mes humbles hommages. Hop, là, un peu plus de pognon. Il reste plus que celui-ci, la canonnière, qui va se revendre un peu plus cher. Est-ce que derrière, je peux faire un... Je suis à 10 sur 15 en canon. On a beaucoup de métal, pourtant. On a combien à ce niveau-là? On a 200 de métal, on a 0 truc de comme ça. Les canons, on est en train d'en produire. On a 117... On a 117... Mais je peux en vendre un peu. Pas besoin d'autant. Trois fois 50 tonnes. Oh mais ça va, j'en ai pas assez du savon, je pense. Le savon construit. Ah si, je suis à 205. Attends, elle est où la prison? C'est pas là... Ça c'est pas la prison non plus... Ça non plus... Ça non plus... Ça c'est la prison. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Dieu châtie ceux qui ont quelque chose à cacher. Ah oui, effectivement, tu peux vendre ça. Vas-y, loue mon Herminion là. Herminion, Herminion. Vas-y, on va faire un peu de place. Viens par ici. Pour ces productions de bière, ouais. Les bières, ça va venir petit à petit. Normalement, on a déjà ce qu'il faut, là. Il suffit juste qu'il y ait un premier voyage de houblon qui arrive. Et ça pourra se mettre au boulot. Du houblon, j'en ai 5. Ça, ça bosse un peu. Donc on va commencer à avoir du malt. Je vais avoir très peu de bière en fait. Il faut vraiment un toc de houblon. Sauvegarder.
C'est là-dessus qu'il faut que je parte. Voilà. On va y arriver petit à petit, je pense. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ceci pour que ça aille plus vite. Voilà. Là, on va augmenter ça, histoire que ce soit plus pratique. La canine, on va aller l'avant. Allez, on y va. Comment ça? Ce n'est pas suffisant. Tu veux dire qu'il faudrait que j'en rajoute encore plus que ça? Attends. L'important, c'est que j'arrive à en choper 50 à chaque fois, du moins. Elle me dit que c'est stable. Salut Bendanos, comment vas-tu? Ça pourrait être pire, j'ai l'impression. Oh, je suis dans le positif! Je suis dans le positif! Ah, c'est qu'ils ont détruit de la bière. Vous avez nos intérêts à cœur. Oh, c'est parce qu'ils ont eu de la bière. Sur nous. Tendez les cordages. Oh, c'est beau. Ah, c'est beau. Faudrait que je produise assez de bière. Genre là, si je fais 2-2. C'est nul, hein, on augmentera au fur et à mesure. Petit, on augmentera en fonction de ce qu'on arrive à faire. Attends, j'ai annulé en plus. T'es quiche, toi. T'es quiche, c'est pas bien là, ce que tu fais. 2. 1. Après, une fois qu'on pourra, on essaie de mettre 50, 25, 25. J'ai encore fait la même. Quand t'es pas doué, camarade, t'es pas doué, c'est juste au bout, hein. 2. Une ici. Accepter cette fois-ci. Pourquoi 0? Voilà, accepté. Parfait, ça me va. Bon, pour l'instant, ils sont encore heureux. Ça va pas durer très longtemps, mais ils sont encore heureux. On va essayer de maintenir ce niveau, Co. Il est où, mon Hermion? Il est là.
Ma prison, c'est ma vie. Je ne vous fais toujours pas confiance. Gardez le cap. Ah bah écoute, si tu veux, moi ça me va, hein, 60 000. 57K. Oui, mais la violence, merci du conseil encore. Quelqu'un veut du pognon? Ce sera avec plaisir, camarade. Le houblon. Là, on a combien? 7. Sachant que, où est-ce qu'il est le bateau qui fait les tours, là? Non, c'est l'air mignon, ça. Ton Neptune, je voulais la vendre, celle-ci. Vous prenez l'initiative. Lui, il est en train de partir par là. Donc ça veut dire... Bienvenue. Pourquoi il y a autant toi, de patates, là? Oui, toi qui viens de t'abonner. Merci, Xenike. Bienvenue parmi nous. Bienvenue dans la vue. Installe-toi confortablement. J'espère que tu te sentiras bien ici. Merci de nous avoir rejoints. Parce qu'attends, là, il peut... Trop de patates là-dedans. Faut que je vous montre ça. Ah, j'ai pas la briqueterie. Il me faut une briqueterie. Occupons-nous de cette île, vite fait. Parce que là, c'est embêtant, parce que les patates, elles sont pas déposées ici. Du coup. Fermier, on va faire des maisons supplémentaires, si possible. Il y avait un feu. Oui, mais en fait, il devrait en déverser ici. Pendant que ces trucs-là font de l'alcool. Mais au pire, attendez, attendez. 30 secondes. N'est-ce pas magnifique? J'ai acheté 3 patates dans l'espace. Non, je sais ce que nous devons faire. Faisons exploser un steak. Vengeance sur les animaux de la forêt. Alors, ça s'est fait. Il nous faut une briqueterie. Est-ce qu'il y a de la brique ici? Non, il n'y a pas de brique. Voilà. Le peuple célèbre vos qualités de dirigeant. Quoi cette violence? What the fuck? Lynn, elle m'a appris à faire exploser les animaux. C'est tout ce qu'il faut pour la... Voilà, c'est Lynn tout craché, ça. Hein. Allez, hop, vous savez, prenez un animal et vous faites du clic milieu plein de fois. Tadam! Et ça fait voler plein de petits animaux. Voilà. Merci, Lynn. Salut. Envaldano. Pas toujours facile à prononcer un TX. Mais c'est horrible. Non, c'est pas horrible, c'est faux, c'est dans ta tête que c'est horrible. Je suis à 1257. Wouhouhou. C'est bon ça. Ça me plaît.
Comme dans Warcraft 2, je m'en souvenais pas que dans Warcraft 2, vous pouvez faire ça aussi. 30 millions d'amis. Phila, Phila, on t'a pas vu hier soir. Donc, joyeux anniversaire en retard, joyeux anniversaire encore. Joyeux anniversaire en retard. Enfin, pour moi, c'est pas en retard. Ouais! Loupé, c'est mes bites. T'aurais vulnérable du sommet. Félicitations. Le sort, je dois, moi. Et t'as bien raison, camarade Phila. Mais c'est que du coup, j'ai pas pu trop dire joyeux anniversaire, donc je le dois le redire maintenant. Parce qu'aujourd'hui, on était... Enfin, hier, on était le... Ah, on était la bonne journée. Donc, Phila... Désolé, c'est du sirop menthe, mais j'ai pas mieux à part de l'eau. Et j'ai du jus orange, mais j'ai la peine d'aller chercher. À la tienne. Ouais, tout est fait maison. Les voix, les machins, les bidules, c'est du tout fait maison. On fait ça entre 2 et 5 heures du matin, en général. Pour les alertes, tous les trucs. J'espère que le moment est propice et que vous êtes de bonne humeur. Bah oui, mais c'est le but de Doom d'avoir du gros bruinage. Les chroniques d'Anno. Un faible risque d'explosion. Les audits de sécurité aérienne sur l'ordure démontrent que les industries devraient être relativement épargnées par ces incidents. Le risque n'est jamais totalement écarté tant que la technologie associée n'en est qu'à ses balbutiements. Fait observer l'inspecteur. Aurait-il donc changé de vêtements? Wouh! Sérieux, 6 semaines de confinement? Bon, moi, ça change rien. De toute façon, les courses sont faites pour 2 mois, normalement. Donc, j'ai 2 mois où je peux rester tranquille chez moi. Et vous faire des lives. Mais je suis pas d'accord parce qu'après, ça repousse à loin. Certaines choses. Et je suis pas d'accord pour que ça les repousse à loin. Genre, comment qu'il va faire, Cal, s'il veut venir pour faire du Half-Life? Bon, il est allé voir. Lynx, calme et volupté. Marcus, non, la demande d'allégresse. Si j'avais noté mon état de satisfaction sur 10, je dirais 8,5. A fait observer un... J'ai pas envie. Un habitant lors d'un récent sondage. Il y a la place pour faire mieux, mais encore plus pour faire pire. Le grand armada. Il y a semblé une véritable armada. Dans quel but seul Neptune le sait. Qu'il en soit, quelle est la vocation à faire la guerre ou à engranger les profits, plus une flotte est vaste, mieux c'est. Publié. Salut Mister Yu-Yu. Au bouffon d'arrêter de se balader sur les quais comme hier. Se balade sur les quais, comment ça? Je sais pas de qui tu parles, je sais pas ce qui s'est passé, je suis innocent, j'ai rien fait moi. Y'a pas de quai chez moi. Voilà, ceux qui sont respectueux sont en train de regarder ce stream. Voilà, ils sont chez eux. Paris. Paris, s'éveille. Paris. S'éveille. Oh, y'a un carnaval à mon nom. Où ça? Donc oui, je disais, il me faudra un deuxième bateau. J'ai envie d'éternuer. Pardon. Zoom dans ta ville. Ouais, mais je sais pas. Attends, c'est Kishland, carnaval Kishland. Mais oui, regardez-moi ça. Oh, regardez-moi ça comme ils sont heureux. Les gens sont heureux. Ils ont tué le cirque. Regardez-moi ces bouches qui tirent la langue. Non, non. Ils approchent du mur d'où ils disparaissent. Ils vont disparaître vers un monde parallèle. On ne pourra plus jamais les retrouver. Bon, tais-toi, l'église. Non. Et là, il y a plus d'âne. Est-ce que je peux faire les triple clics aussi dessus? je suis pas là, pardon. Ça va, ils sont pas fâchés? Ok, c'est bon.
C'est bon, ils sont pas fâchés, tout va bien. Tout va bien, ils sont encore heureux, il n'y a pas de soucis, on est heureux. On est heureux, tout va bien. Allez hop, on a un deuxième bateau, je voudrais l'ajouter à la liste des bateaux qui font des tours ici. Là, je voudrais un bateau supplémentaire qui sera le Intrépide. Le Intrépide, je veux qu'il se charge. Où est-ce que je peux décider si c'est l'Intrépide qui se charge? Mais faut qu'on les renomme, ces machins-là. Pour décharger, pour charger. Accepter. Et c'est à... en bas, là. C'est quoi? C'est Marcus Land. Il faut qu'on décharge. Voilà, est-ce que ce sera possible? On va voir. Ah, donc deux bateaux qui font ça. Oh, regardez-moi ce carnaval extraordinaire! On va arrêter de cliquer sur les trucs. Tu regardes pas les butunes? C'est quoi les butunes? C'est faux! C'est faux, j'ai déjà dit je suis innocent. J'ai juste cliqué plein de fois pour voir si ça pouvait exploser. Et ça explose. Je suis pour rien, moi. Arrêtez de parler autre que le stream, c'est relou. Par rapport à quoi? T'inquiète, ça fait partie de la discussion, Eval. Eval. C'est vrai qu'après, ça peut être embêtant parce qu'on entend parler beaucoup. Mais ça dure pas. Faut laisser les gens s'exprimer un peu, et puis après, wouh, ça s'évole. Le comportement à liste des bateaux. Alors attends, si tu veux une route commerciale, ça donne le comportement à liste des bateaux. Des boutons. Comment ça? Des butons. Ah! Ok. Que diriez-vous d'une tasse de café ou de thé? Vous jouez depuis 2 heures. Non, on s'en fout. On va laisser comme ça. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah non, mais c'est Herminion, ça. On est bon. Salut, Skyjo. Le petit hibou confiné. Je suis un hibou confiné, moi. Confiné, pardon. Je sais pas parler. Oh là là, oh là, pourquoi c'est descendu autant? En forte baisse. Ah, mais j'en ai vendu plein, c'est pour ça. C'est bon, tout va bien. Il a pas compris. Pas parce que j'en ai vendu je sais pas combien qu'il doit plus en exister. Nous sommes enfin en train de produire de la bière. De la bière, vous m'entendez? On a une bière, il faut plus de bière. Est-ce que j'ai beaucoup de machin là? Combien j'ai de houblon? J'ai 12 de houblon et 140 de malt. Donc ce qu'il nous faudrait... C'est une deuxième usine à bière. Est-ce que je peux caser une deuxième usine à bière? La réponse est forcément oui. Je la veux. Elle est à moi. Elle m'appartient. C'est l'usine à bière. Et je vais la voir. Elle sera ici. Une deuxième usine. Rien que pour nous, rien que pour vous. Voilà. Non, non, non! Mais soyez heureux, je vous propose de la bière! La vie est belle! La vie est belle! Comment ça, ils ont moins d'eau de vie? Attends, mon niveau d'eau de vie sera en train de descendre, mais oui! Mais c'est horrible, c'est affreux! Partie sauvegardée. Attendez, je ne peux point laisser ceci se faire.
Nous avons trop de monde, il nous faut des nouveaux éléments pour planter les patates. Est-ce que j'ai beaucoup de patates? Je pense que oui. 17. Il nous faut des patates en plus. C'est stable. Restons sur du stable. Si jamais ça descend, je poserai autre chose. Mais pour l'instant, on va poster ici une maison de production de saleté. Ah, moi 25, non, je suis pas d'accord. Donc ça veut dire que eux, là... La crème de la crème. Mais oui, leurs besoins ont vachement baissé parce qu'ils ont plus de trucs bizarres à manger. Donc ils sont tristes. Là, j'ai tout l'air des bonus. Toujours plein de bonus, voilà. Nous avons besoin de vous ici, les gars. Attends, sur P. P. Non, ça fait jeu en pause. Non, mais par contre, il y a ça, là, il y a les statistiques. Lynn, ça m'avait montré. Production. Genre, comment est-ce qu'il y a ? Ah, c'est ici, le bois. Le bois s'est arrêté de produire. Donc, par exemple, du blé. Comment ça ? Alors, attendez. 6 sur 6, approvisionnement. La quantité de marchandises données actuellement produite. La quantité potentiellement produite. 4 sur 4. 1 sur 1. 8 sur 12. 5 sur 5. Les planches, personne n'en bouffe, donc on s'en fout. Le art. C'est pas malin, ça. Que veux-tu mettre en bière? Tout le monde. Hé, hey, Kermit, je t'ai même pas dit bonjour. En soi, on doit sortir juste un minimum pour faire ses courses. Si les gens ont du terrain, rien ne les empêche de sortir. En fait, faut juste éviter le contact, c'est tout. Moins deux. Moins deux. Donc on produit beaucoup plus de fer qu'on en a besoin en fait. Il y a que deux entreprises qui en demandent et on en produit 8, c'est ça? Là le charbon, on a deux entreprises, si on consomme on en a 4, c'est comme ça qu'il faut le prendre? Comme explication? Là on est limite à 1 sur 1, sachant que ça prend 1 sur 1 au niveau du blé, là du pain. Donc c'est tout juste ce qu'il faut. Là on a 4 trucs de farine, pour un truc alimenté, c'est ça? Et du blé, il m'en faudrait 6, c'est ça ? L'île d'un de vos concurrents est assiégée. Donc là, il faudrait juste plus de blé. Attendez, regardons-les encore une fois, ces trucs-là. Non, c'est pas ça que je voulais. Je voulais ça. Production, le blé. Où qu'il est, le blé ? Une nouvelle expédition, amiral. Donc il m'en faudrait 6 sur 6 pour être bon, c'est ça ? Salutations. Y'a pas de soucis, t'es pas obligé de le dire, c'est juste que moi j'aime bien vous dire bonjour quand même. Et je suis déçu si je vous rate. Ça me donne l'impression d'être du méchant avec vous. Ah. Je vous condamne aux travaux simplifiés. Je suis obligé d'arrêter la rediffusion ici. J'ai plus de place. Comment ça se fait qu'on ait toutes ces rediffusions? Bref, faut que je coupe très rapidement parce qu'on a plus de la place. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous, je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappe-jeux.fr et passez une agréable fin de journée. Prenez soin de vous et à ciao tout le monde, du moins à tout de suite pour la suite du live. L'enregistrement d'une nouvelle rediffusion ou pas, on va voir ce qu'on va faire. Mais il faut que je coupe tout de suite. A tout de suite. Pam 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 p
pa-dum, pa-dum, pa-dum.